Bon, et ben on pourra dire qu'on leur a attendu, hein, ce putain de Dead Island 2. Juste pour vous rappeler la chronologie des choses, je vous rappelais, il y a 8 ans, on avait le droit à ce trailer. Seriously, bro? Sweet! Huh?
on, dude. Time to split. Freaking awesome! Let's go! Dude, chill. I got this. Donc trailer hyper prometteur, tout le monde attendait évidemment ce Dead Island 2, moi y compris, surtout ayant rincé le premier Dead Island, puis Dead Island Riptide, donc une licence que j'avais énormément aimée, prolongée un petit peu après par Dying Light, même si c'est pas du tout le même genre de jeu, puisque c'est plus axé sur du parcours. Enfin bon bref, donc nous étions nombreux à attendre ce Dead Island 2. Il y a 10 mois, nouveau trailer qui nous a fait croire au retour de ce jeu. C'était donc une vaste blague qui a fait beaucoup rire de personnes au moment de la diffusion de ce trailer. Et quelques semaines, je crois, après, on a eu effectivement, ou quelques mois, je ne me rappelle plus, la confirmation donc, de l'arrivée de ce jeu. Donc enfin, Dead Island 2, une nouvelle arlésienne du jeu vidéo. Et le voilà, enfin, entre nos mains. Donc nous allons pouvoir nous y mettre. Sachant que je n'ai vu que les trailers, je n'ai pas regardé aucune vidéo d'introduction à cet opus. Enfin, ah, faut que je vire les. Faut que je vire les sous-titres. I gave up my seat. It's gotta be 20 clicks. Through them. Can you catch me? Shadows on the wall, underneath concrete piled waves, hiding in the open. We run from the cold, there's broken dreams. It rains, of course, eh, Jefe? Wow, looks like we're fully booked. Better grab my seat. Wait! The city's fucked! I'm not staying behind! The walls are down! They're getting through! Hey, Protego! Go! There better be food on this flight. Ticket, please. Oh, sorry. Must be my with Jack. This'll do. Oh my God, you're Emma John, right? And Robert Steele? Can I get a selfie?
She always likes surprises. Ok, alors choisissez qui laissera dans son siège une traînée de cadavres de zombies infernes dans l'enfer de LA. Ok. Ok, d'accord. Ah oui, ok. Alors moi, ce que je sais qu'à chaque fois je prenais, c'était. Spécialiste des armes tranchantes, parce que c'est ça qui est le plus amusant. Résistance en tuant, récupération, sensé d'égalité, agilité, d'accord. Avec le mode de difficulté, résistance. Ah, il y en a plein, putain. Démoté de force quand il attaque le cage, ressentait rien de chaque fois qu'il met un zombie à terre. Résistance, d'accord. Attaque puissante, déclenche une sorte d'explosion à l'impact. Ah, il y a un paquet de. Il y a un paquet de mecs, enfin un paquet de choix de personnages. On est avec un qui attaque derrière. Ah oui, donc ça, bizarrement, ce n'est pas du tout comme les autres opus où on était spécialisé soit en combat au corps à corps, aux armes tranchantes, aux armes à feu. Il y a à peu près moyen partout. Bon, on va prendre celui-là. Chose Arthur, voulez-vous vraiment frayer un chemin en massacrant tous ceux entre passage dans cet enfer en tant que Jacob? Oui, vous ne pourrez pas changer de tuer en cours d'histoire. Oui, ben ensuite. Donc le peu de trailer que j'ai vu, évidemment, ah sympa. Vous videz de votre sang, oui, c'est bien. J'imagine qu'on va retrouver un. Ah, voilà, ok. Thanks, Mom. Plutôt c'est joli, la cinématique d'intro elle était pas folle, hein. Le visage des persos était un peu dégueulasse. Mais bon, on va essayer de vite passer ce tuto. Putain, l'endurance, ça va remonte pas rapidement. Putain, j'espère qu'après on peut booster un petit peu ses points d'aptitude. Parce que c'est un petit peu con de se retrouver enfermé dans des caractéristiques. Donner un coup de pied, retrouver donc ça. C'est très très important. Pour éloigner les mecs quand vous faites attaquer, évidemment. C'est déjà très très utile dans les premiers opus. J'imagine que ça va l'être également dans celui-ci. Les couleurs sont plutôt jolies.
courir ou pas? C'est jouable, c'est possible. En tout cas, c'est pas avec L3. Sprinter, voilà. Ah, il faut vraiment attendre que le tuto soit enclenché. Pour les commandes, ce sont des commandes de base. Hein. Rien de foufou, donc ça c'est bien pour rentrer dans le jeu tout de suite. Non, pas du tout. Je fais un peu n'importe quoi. Oui, c'est là. Je viens de là, non? Je viens de là, ok. Oui. Will you stop firing those bloody flares? What? Stop firing those flares! We've only got a few... What was that? There's something in the plane. Stay back. Not a zombie! We all okay? Just a few bruises. I think we got lucky. I'm Michael. Jacob. Oh, this is fucking tremendous! Emma, darling, I'm so sorry about Robert. Why? I mean, this is all his fault, the selfish wanker! Will you stop standing there and find me some fucking shoes? Bruv, you got some blood coming out of your ears. What? I can't hear you! I got blood coming out of my ears! Well, what are we going to do? Try not to look tasty. People, this is Emma Jaunt. Nice. Of course, you know what a huge star she is, Romero winner no less. Excellent. We need to get her home to safety. Aye, aye. What's this? Careful. Hello? Hanging in there, but weak. This off me. That's how it's complicated. Come on, there's no me in team. Michael, help. On me. Lift. It's too heavy. I think they're getting closer. Right. We need to go. Okay, got you pegged. Emma? I mean, perhaps we should stay. Darling, the world needs you. They'll protect them. Oh. They're volunteer, right? Okay, Michael, if you're sure. Here is my address, in case you change your mind. Good luck. Where's the G&T? Keep it chilled. I'll call the army. Send help. Go. Hey! Are you Emma Jaunt? Typical LA. Ouais. À mon avis, il va falloir buter cet enculé. Évidemment. Attends, attends, ok, attends. Petit QTE à la con. Ah oui, c'est ça, il y a aussi des niveaux. Ok, d'accord. Ah voilà, très important. Alors, je crois que. En courant et en filant un coup de pied, il y avait le. Coup de pied sauté, bien sûr. Ah, super! Ah, ça va chier. Oula. Ah ouais, ça y est. Ok. Il y a un temps de... comme l'arme est super lourde. Ah oui, il fallait que je l'achève avec carré.
Cette arme est très très lourde, c'est très très chiant. On va prendre ça plutôt. Comment je change d'arme? Attendez deux secondes. Ah putain, laissez-moi le temps de voir. Oh là 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 là. Je suis en train de crever parce que je ne peux pas changer d'arme. Cette arme est beaucoup trop lourde. D'accord, très bien. Ah oui, on va réessayer parce que ça me saoule. Ah voilà, attends, voilà. Ça c'est quoi accepter? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Demande de l'aide, se ravitailler, refuser, coucou. Ah ça doit être les... Ok, donc ça on s'en branle. Est-ce que... tu peux... Voilà. Donc évidemment les armes seront pourront être customisées comme dans tous les... Et ça attends, je peux reprendre ça là. Ok, j'ai pris deux trucs. Appuyez sur... Ok, j'avais pas vu ça. On peut pas changer d'arme, putain, je comprends pas, il est selon. Bon allez. Cette arme est très très lente, c'est très très chiant en fait. Ok, c'est fini. What? Ok. Ah putain, il faut apprendre à bien gérer le coup de pied. Pleine gueule. Vite. Voilà. Ça va durer encore longtemps cette connerie. Ah, je suis niveau 2 maintenant, il faudrait juste m'expliquer comment... Faites tomber la roue en feu. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ah bien. Super. Vite. C'est tout ce qui bouge. Ok, pas de problème, mec. C'est tout? Attends, j'ai vu un truc, là. Bois brûlé, d'accord. Bon, c'est pas très clair pour l'instant, hein. Toujours le même problème avec ce genre de jeu. Au début, c'est un peu le tuto est toujours un peu confus. Après, on se fait évidemment au menu et aux commandes. Mais je trouve que c'était un petit peu lourd pour l'instant. Très mauvaise idée, ça, de filer à boire quand on a des blessures au ventre, mais bon. Hey, darling, can you drink? Come on, it's water. Just take a sip. Tu avais l'air un peu louche, toi. Oh, bravo. Alors, je crois que ça va être comme dans le premier Dead Island. Il me semblait de mémoire qu'on était... Comment on dit Ah putain, je trouve pas les mots. Immunisé, voilà. Et je crois que c'est le même cas, apparemment, dans celui-ci.
Ah. Le gros problème. Donc évidemment, ce qui est sympa dans ce deuxième opus, c'est de pouvoir se balader dans différents quartiers de Los Angeles. Et voilà, ça a changé un petit peu des îles tropicales des deux premiers opus, qui était déjà un lieu assez incongru et assez innovant, parce que buter des zombies sur la plage en plein soleil, c'était rarement le cas, rarement fait. C'était plutôt assez efficace. Avec certains moments de frayeur assez intense, quand vous rencontrez certains types de zombies en pleine ville, je me rappelle effectivement de moments assez flippants. Donc là, voilà, ça démarre vraiment. Nous voilà à Los Angeles. Onward. Ever onward. Voilà, dans le quartier de Bel Air. This is definitely Bel Air. Donc. Alors, je ne sais pas si ça va être comme dans les autres opus, mais il fallait fouiller plein de trucs. Il y avait plein de valises, plein de choses comme ça. Donc, j'imagine que ça va looter à mort, effectivement, comme, là-dedans. Hangover. Ah, voilà. Carte, Emma réside de l'autre côté de cette demeure. Vous allez devoir trouver le moyen de traverser en jouant des coudes. Ok, très bien. Attends, moi je suis où? On a dit quoi là? C'est ça, hein? J'aille là. Ah non, faut que j'aille là. Putain, d'accord. On peut pas zoomer là du tout. Bon, de toute façon, je pense que la carte est énorme. Ça va être encore des. Il va y avoir plein de missions annexes, évidemment, de toute façon. Et Los Angeles, ah oui, on n'a que le quartier de Bel Air. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, je crois que la durée de vie va être assez sympathique. Ok, bon. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Vous pouvez vous placer les points de navigation sur l'icône, il va apparaître en guérant sur votre boussole. Donc moi, je suis là. Bon, on va voir déjà là dans la baraque. Et puis après, bon, on ressortira par là. On va foutre ça, mettons voir comment ça marche. Joueur est en accord. Bon, allez, cassons-nous là. Alpine Drive. I can cut through this place, nab some bits and bobs, and roll out the other side to Emma's place. Alors. Ah. Breaker missing. D'accord, donc ça, j'imagine que ça ne s'ouvre pas. En revanche. C'est pas très clair pour l'instant. Attendez, parce que. L1. R1, c'est pour jeter. Go for it. Ça, je m'en fous. Absolutely. Pour l'instant, je peux rien changer. Bon, je n'ai accès à aucune arme de. À inventaire. J'ai aucune roue pour choisir. Dégâts 31, dégâts 32. Ah, ça, c'est de la merde. Très bien. Ensuite, objet à lancer, consommable. 0, très bien, pièce ok, clé. Et niveau 2, en fait, les niveaux quête compétences, pour l'instant, j'ai pas accès. D'accord, ok, objet collecté. D'accord, bon, ça c'est très bien. Tueur. Ah, voilà. Santé max, récupération de santé, d'accord. Brutalité, résistance. Ça, on sait pas trop ce que c'est, moins 10, 0, moins 10. Bon, voilà, on verra ça au fur et à mesure. C'est toujours un peu le problème, hein, c'est que. Par contre, je n'ai pas une roue de. Est-ce qu'on avait ça dans les premiers? Je me rappelle plus, effectivement. Et oui, mon arme est en train de s'abîmer, on le voit sur la roue, qui est un petit peu grisée sur le haut. Ça va, c'est pas trop vitesse. Ça, il y a la vitesse. Bon, on va garder celle-ci pour l'instant. Have a nose around in here. Hold your hoses. Is that a breaker I see? J'espère qu'on n'est pas trop guidé. Hein. J'espère que c'est avant le début parce que c'est un petit peu chiant. Bon, bah, il faut looter à mort de toute façon, puisque on va pouvoir customiser ses armes. Clé anglaise, très bien ça. Ok, mais j'avais pas fini de fouiller le garage. Bon, graphiquement c'est plutôt sympathique. Évidemment, beaucoup de gens, à leurs habitudes. De gens frustrés
ont dégueulé dessus en disant que c'est pas très joli, mais bon, achetez-vous les yeux, les mecs. Arrêtez d'être blasé comme ça, c'est hyper pénible. Alors, nous allons placer ce disjoncteur sans pouvoir explorer un petit peu cette maison. Aptitude déverrouillée. Ah bien, bravo. Appuie sur L1 tout en donnant une direction pour esquiver les attaques zombies. Pour l'instant, je fais que... D'accord. Bam dans ta gueule, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est comme ce qui rend plus jouissif, c'est comme les armes blanches. Alors, qu'est-ce qu'il veut essayer par rapport au principe de recherche schéma d'espérance? D'accord, bon, pour l'instant on va fouiller un petit peu. Ça c'est fermé. Ça, ok, on ne peut rien faire, ça pareil. Ah, j'entends des... Dégage toi. Ah. Ah non, c'est elle, hein. Faut pas que je me gourre. Donc l'esquive est évidemment très importante. J'entends d'autres mecs à côté. Oh là là! Ah super! Ah! Maintenez, ah bah voilà! Je peux la réparer ou pas? Ah non, elle est vraiment pétée. Hein. Bon, on va prendre ça. Alors effectivement. Là, en même temps, je sais pas si je l'ai allumé ou pas, j'arrive pas à voir. Donc là, on voit rien du tout. It's Bel Air. Of course it's locked. Le son est assez bien mordu. C'était assez sympathique d'ailleurs dans les premiers opus, c'était cette... tout est en feu là-bas. Génial. C'était cette... comment on dit ? Ce décalage entre le lieu, c'est-à-dire... ce décalage effectivement entre les îles tropicales et la situation... dans laquelle nous étions plongés. Et c'était ce décalage qui était assez sympathique. Bon, je pense qu'on va être en terrain connu. J'ai pas lu trop de tests, hein, parce que... Voilà, de toute façon, je l'attends depuis tellement longtemps que je l'aurai acheté quoi qu'il arrive, et c'est une licence que j'aime beaucoup. Entre-temps, donc, j'avais fait Dying Light, qui est beaucoup plus axé sur le parcours, qui était très très bon aussi. Et ça t'apporte à varier. Fancy or foolery. Et you, not a zombie. Et donc, j'ai le 2. Qui m'attend toujours. Donc là, je pense que je vais me faire une petite période zombie. Donc entre celui-ci, Dying Light 2, il faut que je me fasse Resident Evil 4, le 2, le 3. Enfin bon, voilà. Là, je pense que je suis parti pour quelques semaines, voire quelques mois. Sauf si je m'en lasse avant. Mais voilà, là, c'est ce genre de jeu auquel j'ai envie de jouer en ce moment. En plus du Indiana Jones. Je vais continuer à faire, bien sûr. Je voudrais me prendre Loom aussi, qui était vraiment très très bon. Ah bon, bref, voilà. Donc j'ai plusieurs envies vidéoludiques en ce moment. Alors attendez, parce que je parle, mais je ne fais pas du tout gaffe à ce qu'il faut faire. Introduisez-vous dans la pièce de truc. Ok, il doit y avoir des trucs cachés. Il n'y a pas les trucs dans les tiroirs. L'ordi, je ne vois pas s'en servir. Non, ok. Lui, on peut pas le fouiller, lui. Oh,
couper le décor. Ah oui, quand même, ça va. Entrer dans sa pièce de survie. Je veux bien, mon enfant, mais... Ah, il n'y a pas un truc à faire là. Electromagnetic lock, d'accord. Alors, mais là, c'est un truc de fou. Experiment concludes that my locks are foolery. Ah, d'accord, putain. On va te coucher, toi. Ah, putain, il faut que j'esquive plus. Je suis bloqué, putain. Ah, oui, d'accord. Le coup de pied est tellement cheaté. C'est un truc de fou. Oh, un massacre. Well, that's one less neighbor at book club this month. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Récupérer. The house key card. Ok, d'accord. Pour l'instant, je ne peux pas encore customiser mes armes, tiens. This isn't the mental picture I had of a panic room. Donc, je pense que pour ce barrel là, puisque je récupère ce badge à la cour, oh là, très très bien, ça. Aérosol, ok, bon. Donc, on a looté comme un porc, on va pouvoir se barrer de là. Ah, L1, c'est... J'ai pas vu ça. Attends, on va voir ça. Attends. Ah, j'ai raté le QTE, putain. Je verrai après en cyclopédie, je vais vous faire chier avec ça. Alors, est-ce qu'on va gagner des compétences? Il y avait des compétences, je me répète, on pouvait... Est-ce qu'on pouvait sauter en courant? Ou est-ce que c'est Dying Light? Ah, je sais plus. Une sale gueule, quoi. Ok, bon, pour l'instant, ça, c'est pas trop compliqué. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les armes s'abîment très très vite, enfin, se cassent très vite. C'était déjà le cas, hein, dans les autres... Emma should be on the same street. Dans les autres opus, hein, c'était justement l'avantage après de customiser et de consolider ses armes. Certains véhicules, objets, bâtiments sont équipés d'une alarme. Les endommagés déclencheraient une puissante tirade de sécurité qui attire les ombres autour. Détruisez des boîtiers d'alarme sur un bâtiment pour les activer. Ah, ok, d'accord. Boîtier d'alarme sur un bâtiment. Est-ce qu'elles sont à l'extérieur, c'est ça? Pas du tout. Bon, je fais sûrement n'importe quoi, mais il n'en veut pas ouvrir, non. On va continuer encore un petit peu, hein, puis après, moi, je continuerai de mon côté. Alors, attention aux alarmes. Ok, souffle par l'autre côté, très bien. On va récupérer toutes ces merdes. Ils vont nous servir, bien évidemment, beaucoup plus tard, lorsque nous aurons accès à divers établis, j'imagine. Donc je suis assez curieux et assez impatient devant les vraies nouveautés. Apparemment, il y a pas mal de trucs nouveaux par rapport aux autres opus. Je sais pas si on gère sa baraque ou pas, ou... Oh, this is too hot for me. What? Donc je sais pas trop, j'ai pas trop vu, j'avoue, j'ai pas voulu trop me gâcher la surprise. Pour l'instant, ça reste assez calme. Hein. Je me souviens du premier opus, lorsqu'on sortait de la plage et qu'on entrait dans la ville, le gap de difficulté avait augmenté d'un coup. C'était devenu tellement dur avec des mecs énormes et tout, et là c'était vraiment très 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 tendu.
Donc nous allons voir s'il gère un petit peu la difficulté dans celui-ci. Et Riptide, c'était pas mal, hein, dans les marécages, tout ça. Enfin, j'avais fait des vidéos dessus il y a longtemps. 360, je crois. Non, sûrement pas sur PS4, parce que 360, je pouvais pas capturer. Oui, attends, je vais pas partir tout de suite, je voudrais juste explorer encore un petit peu. Et donc j'avais fait sur 360 et j'avais refait les remakes sur PS4. Parce que c'est vraiment ouais, une licence que j'aime beaucoup. Plutôt assez rafraîchissante et... Et qui changeait un petit peu. Ah, les mecs dans la piscine. Je vais juste aller voir. Mais qu'est-ce que t'as quand même... Ah oui, ok. En plus on est pressé, mais attends. Je voudrais quand même aller voir ce qui se passe. Je sens qu'il y a du people dans la piscine. Là je peux rien récupérer pour l'instant. Fais peur, enculé. Burning up. Definite doom, Mayday. Putain, j'espère que je peux juste continuer à leur péter la gueule et que je vais pas être obligé de me dépêcher pour suivre le scénario. Je vais juste récupérer le maximum de choses. Sa gueule dehors en tout cas. Voilà, donc beaucoup de loot, hein. ça change pas. Là, il n'y a plus rien, si. Oula. Non, ça brillait juste. Ah, le coup de pied est tellement cheaté, c'est un peu de je t'entends. Attends, je voudrais juste récupérer tout ça, parce que je suis pas sûr qu'on viendra ici. Donc continuons juste à explorer encore un petit peu. Partout, hein. C'est le loot à mort. Là, je suis déjà venu. Oui, c'est ça, la porte s'ouvre de l'autre côté, d'accord. Je vois où je suis. Toi. Ah, c'est bien. J'ai encore raté ce QTE de merde là. Je crois qu'il faut que j'attende un petit peu avant d'appuyer sur le R2. Je l'ai fait un peu vite et je crois que ça laisse place à certaines scènes un peu gore. On éclate les mecs, enfin bon, c'est plutôt mal. Ma clé anglaise commence à morfler, ça me plaît pas du tout. Ah, il y a un coffre là. Vas-y, prends ça, regarde ça, très bien. Ah, barre énergétique. Trousse de soins, je prends bien évidemment. Là, attendez, on a vu. Ça, c'est quoi? C'est à combien ça? Ah, ouais, ça, c'est ridicule. 30. Ah, ça, on peut peut-être s'en dégager. Alors, peut-être, ouais, on pourra le dégager. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'on peut prendre des armes tout de suite en grand nombre. De mémoire, on était limité en nombre. Dans les premiers opus, il fallait débloquer des emplacements. Là, j'ai l'impression qu'on peut en prendre autant qu'on veut tout de suite. Donc ça, c'est pour mal. I remember a time when you could just leave the front door open. Ok, d'accord. Alors, attendez, on va aller voir les mecs dans la piscine, après on se rebarre pour suivre ce que l'histoire nous en... oui. Ouais, ok, bon. Ok, je me dépêche. C'est quoi le pourcentage? Recherche Emma, trouver le code du portier en arrière, 0%. Even I know electricity and water ain't a good mix. Ah oui, on peut concevoir des pièges, d'accord. J'ai juste pas trop eu le temps de voir. Merde! Ah, ok. Ok, d'accord. J'ai eu la chance, c'est le pro.
C'est de la merde cette arme, putain. Vas-y, dégage la grosse. Dégage. Oh là là. Eh oui, mon arme a cassé, putain. Oh, ok, d'accord. Très bien, très bien. Très très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on va s'arrêter là. Hein, moi, je vais continuer de mon côté. J'aime bien pour l'instant, bon, c'est que le début. Après, voilà, il va falloir voir la qualité des missions annexes et du scénario. Je pense qu'il y en a pour quelques dizaines d'heures assez sympathiques. Il faut évidemment se faire aux commandes, au gameplay, hein, bien penser, esquiver les coups de pied, et puis voilà, je vais être lâché dans tous les quartiers de Los Angeles pour m'en sortir, évidemment, massacrer tous ces zombies. Voilà les cocos, ben, je vous dis à très bientôt, moi je continue le massacre. Ciao, ciao.